Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est le premier événement de la SFPS pour cette année 2021, qui est organisé en partenariat avec le GDR Sport. Et dans quelques instants, le professeur Vincent Nogier vous dira un mot sur son organisation. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Christiane Trottier, qui est professeure au département d'éducation physique de l'Université Laval. Et Madame Trottier s'intéresse plus particulièrement au développement et au transfert des habiletés de vie en sport, mais aussi pour les athlètes évidemment, mais aussi pour tous les acteurs qui entourent les parents, les entraîneurs qui entourent l'athlète dans une perspective de développement positif. Donc, Christiane Trottier est une spécialiste de la préparation mentale avec plus de 20 ans d'expérience, plus particulièrement dans le sport de haut niveau. C'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir avec nous ce soir pour qu'elle puisse partager son expérience de recherche puis d'intervention. On va pouvoir voir ce qu'elle nous présente. Et donc, c'est pour ça que je voulais la remercier parce que c'est prendre ce temps pour nous faire partager ses connaissances de l'autre côté de l'Atlantique. C'est très gentil. Donc, merci pour cette intervention. En termes de déroulement, ceux qui désirent une attestation, merci de le préciser. Dans le chat, vous avez une bulle avec écrit converser. Donc, si vous désirez une attestation, signalez-le pour qu'on puisse vous envoyer une attestation ensuite. Présentation de Vincent Nougier. Lorsque Christiane Trottier va commencer, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Donc, posez-les au fur et à mesure, n'hésitez pas, dans le chat, bien évidemment. Et le professeur Trottier pourra répondre après votre intervention. Après son intervention, pardon, une fois que vous aurez posé toutes vos questions. D'autre part, c'est le premier webinaire. Le second aura lieu le 11 février avec Vincent Goutbarge, qui nous parlera des troubles de la santé mentale dans le sport d'élite, avec son travail qu'il a pu faire avec le CIO. Et maintenant, je laisse la parole à Vincent Nougier du GDR. Merci. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Écoutez, je vais être très très rapide. Simplement pour dire que donc le GDR est bien que ce soit un outil comment dire CNRS et financé et supporté par le CNRS, c'est fondamentalement un outil qui est ouvert à toute la communauté. Et typiquement, je dirais que le webinaire de ce soir en est l'exemple et pour moi l'exemple parfait de ce qu'il faudrait pouvoir faire tout le temps. C'est la première fois et c'est malheureusement la seule société savante avec laquelle pour l'instant les choses se passent de cette manière-là. Dans le sens où il faut bien comprendre que c'est un outil qui est à disposition des chercheurs, qui est là pour accompagner, pour aider, soutenir, mettre en lien ou en réseau des gens qui voudraient travailler ensemble, etc. Et donc voilà, et je pense que cet esprit-là, en tout cas, c'est l'esprit dans lequel je souhaite pouvoir avancer. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, comment dire, le webinaire est diffusé en direct sur YouTube. Autrement dit, si vous ne voulez pas, pour des raisons de droit à l'image, etc., que votre visage apparaisse, évidemment, il va falloir couper les caméras. Et d'autant plus qu'on mettra en ligne ce webinaire sur le site du GDR, sur la chaîne YouTube du GDR, et puis je transmettrai également l'ensemble de ce webinaire donc, à la SFPS pour qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut. Voilà. Merci, Christiane Trottier, Université Laval. Donc, on vous écoute pour le séminaire sur le développement des habiletés de vie en contexte de sport scolaire. Merci. Merci beaucoup. Dans un premier temps, en fait, je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi de venir m'entretenir avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire sur le thème du développement des habiletés de vie en contexte de sport scolaire. Comme le mentionnait M. Fournier, je suis professeure au département d'éducation physique à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Alors voilà, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui le programme d'accompagnement Gagnant pour la vie. Vous voyez à l'écran le logo. Alors, c'est un programme que j'ai mis en œuvre dans le cadre d'un projet de recherche qui est subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Je tiens dans un premier temps à remercier mes collègues co-chercheurs dans le cadre de ce projet, Vicky Drapeau, Claude Goulet, Éric Fredette, Martin Caméré, Pierre-Nicolas Lemire et également mon étudiante au doctorat, Roxane Carrière, attitrée au projet dans le cadre de sa thèse.
ainsi que Charlotte Brochu et Alexandra Sérovac-Robichaud qui sont impliquées dans le cadre de leur mémoire de maîtrise. Alors voilà, comme vous êtes un auditoire diversifié, je vais tenter, dans le cadre de cette présentation, de faire le pont entre la théorie et la pratique. Et comme l'a mentionné M. Fournier, je demeure disponible par la suite dans la période de questions pour répondre à tous vos commentaires ou interrogations. Alors, dans un premier temps, je vais apporter quelques précisions sur le sport scolaire au Canada et au Québec. Je définirai ensuite d'un point de vue scientifique les notions de développement positif des jeunes et celles du développement des habiletés de vie en sport. J'apporterai également quelques précisions, en fait, quelques informations sur les principaux constats de la recherche concernant les programmes d'enseignement et de développement des habiletés de vie en contexte de sport scolaire. Ce sont ces principaux constats issus de la recherche qui ont permis en fait la création et la mise en œuvre du programme Gagnant pour la vie. Gagnant pour la vie est une plateforme Internet conviviale qui est destinée aux intervenants scolaires, c'est-à-dire les entraîneurs et les enseignants, par exemple, pour leur permettre d'enseigner les habiletés de vie et également de favoriser le transfert de celles-ci auprès des élèves athlètes. J'aborderai également en termes de conclusion les orientations futures du programme ainsi que des perspectives appliquées. Lorsque je parlerai des orientations futures du programme, j'évoquerai en fait une deuxième partie du projet de recherche parce que nous faisons en ce moment au sein de l'équipe une deuxième phase pour une bonification de ce programme même. Alors, à travers de cette présentation, j'ai deux objectifs précis. D'une part, vous permettre en tant que consultant en performance mentale ou psychologue, étudiant, chercheur, d'améliorer votre compréhension au sujet du développement des habiletés de vie. Donc, ce seront des connaissances relativement simples, de base. Et j'ai comme deuxième objectif, en fait, de vous présenter l'exemple concret du programme Gagnant pour la vie et d'aller naviguer aussi avec vous sur la plateforme pour que vous puissiez voir concrètement qu'est-ce qui se fait au Québec à ce niveau. C'est également un programme qui va être appliqué dans plusieurs écoles au Québec dans les prochaines années. Quelques mots maintenant sur le sport scolaire au Canada. Donc, pour situer le tout, je tiens à mentionner d'abord que Sport scolaire Canada est la plus grande organisation sportive structurée au Canada, qui compte plus de 750 000 élèves athlètes, 52 000 entraîneurs et 3 200 écoles, et qui, en fait, a comme mission de promouvoir l'esprit sportif positif, le civisme et le développement positif des élèves athlètes à travers le sport scolaire. Donc, Sport scolaire Canada offre aux élèves athlètes la possibilité de combiner leur étude à leur sport préféré. Donc, c'est le plus gros organisme au Canada. Sport scolaire Canada a comme partenaire provincial le réseau du sport du Québec, en fait, qui a comme mission de contribuer à la persévérance, à la réussite éducative et au développement de la personne par la promotion de la santé, la pratique du sport et de l'activité physique en milieu étudiant. En fait, pour parvenir justement à accomplir cette mission, le réseau organise différentes compétitions inter-écoles, des championnats scolaires, met en place des initiatives de santé et participe également à la formation des entraîneurs. Pour vous situer un petit peu plus, en fait, pour situer le programme Gagnant pour la vie, je dois vous parler en fait des trois principaux types de programmes que l'on retrouve dans les écoles secondaires au Québec. Nous retrouvons d'une part des programmes de type sport-études, en fait, qui sont régis par le ministère de l'Éducation du Québec. C'est le ministère de l'Éducation du Québec qui établit la structure et les exigences minimales que l'école doit respecter.
Donc, lorsqu'un élève athlète fait partie d'un programme sport-études, il doit satisfaire certaines normes et certains critères, donc maintenir une performance en fait de haut niveau reconnue par sa fédération et maintenir également de bons résultats scolaires. Par la suite, nous avons des programmes de concentration sport qui ne sont pas régis en fait par le ministère. Ce sont plutôt des écoles secondaires qui mettent en place en fait des concentrations sportives dans différents sports pour permettre à tout élève athlète âgé environ de 11 à 17 ans de pouvoir participer à un programme intensif au sein de l'école. Toutefois, à noter que pour ce type de programme, l'élève athlète n'a pas besoin d'être reconnu pour sa fédération. Donc, presque tous les adolescents qui aiment le sport peuvent s'inscrire dans un tel programme. Enfin, nous retrouvons les programmes parascolaires. En fait, les programmes parascolaires sont des activités sportives pratiquées à l'extérieur des heures de classe qui peuvent être de nature compétitive ou non. Donc, ça peut se passer sur l'heure du midi. Ou ça peut se passer aussi après les heures de classe. Une même école secondaire toujours des athlètes adolescents âgés de 11 à 17 ans, peut combiner plus d'un programme. Donc, on peut retrouver un programme sport-études avec des programmes de concentration sport au sein d'une même école. Dans le cadre du projet Gagnant pour la vie, nous avons débuté son implantation dans une concentration sport. Alors maintenant que nous en savons davantage sur la structure du sport scolaire, ce que l'on sait en fait, c'est que la mission première du sport scolaire, c'est de favoriser en fait le développement holistique, le développement global, le développement positif du jeune. Alors, les principaux travaux de recherche qui s'harmonisent à cela sont les recherches portant sur le développement positif des jeunes. En psychologie du sport, depuis plusieurs années déjà, avec l'apparition du courant de la psychologie positive dans les années du début 1990, en fait, on a vu apparaître aussi avec ce courant, le courant de recherche portant sur le développement positif des jeunes avec des chercheurs comme Larson et Lerner. Donc, selon cette approche, en fait, les jeunes ont la force, les ressources et le potentiel de développer leurs compétences. Lorsqu'on parle de compétences, on fait référence à des qualités cognitives, sociales, affectives et intellectuelles, en fait, pour justement devenir de bons citoyens et pouvoir redonner aussi par la suite à la société. L'objectif du développement positif des jeunes pourrait se résumer par l'engagement des jeunes dans des comportements prosociaux et l'évitement en fait de comportements nuisibles comme la consommation d'alcool, de drogue, la délinquance ou le dopage. Donc, autrement dit, on veut développer des athlètes qui sont en santé et motivés à pratiquer leur sport même une fois la retraite athlétique prise. Au sein de la recherche sur le développement positif des jeunes, on retrouve en fait une ligne de recherche bien établie également, celle du développement des habiletés de vie que je vais introduire par la suite. Donc ici, sans entrer trop dans les détails, simplement pour mettre en lumière un cadre de référence sur le développement positif des jeunes, le modèle en fait des 4C qui est issu du modèle des 5C initialement créé par Lerner, en fait, qui mentionne que les 4 résultats à atteindre pour favoriser un développement positif sont le développement de la compétence, des compétences chez les jeunes, la force de caractère, la connexion et la confiance en soi. Et lorsque l'on parvient à développer ces 4 résultats positifs, en fait, on vise justement à amener les jeunes à pouvoir contribuer par la suite dans la société. Donc, voilà brièvement pour un cadre de référence bien connu sur le développement positif des jeunes. Maintenant, quelques mots au sujet du développement des habiletés de vie. En fait, en psychologie du sport, Stephen Danish est un des précurseurs au chapitre du développement des habiletés de vie en sport. Vers les années 1980-90, il a mis en fait en place, il a créé le Life Skills Center.
En fait, suite à son travail auprès d'athlètes olympiques qui prenaient leur retraite, lorsqu'il a constaté en fait que les athlètes, suite à leur retraite, avaient de la difficulté à appliquer dans leur vie les habiletés qu'ils avaient apprises dans leur sport. Donc, les premiers travaux sur le développement des habiletés de vie remontent aux travaux de Stephen Danish dans les années 80-90. Et c'est Danish qui a apporté les premières définitions en 2002-2004. Et la définition a été reprise par la suite par les chercheurs Gould et Carson dans une revue de littérature publiée en 2008 sur le sujet. Donc, ils ont repris les mots de Danish, mais en apportant une composante particulière. Donc, la définition des habiletés de vie, ce sont des attributs personnels, des caractéristiques et des compétences qui peuvent être développées en sport et qui sont transférées dans d'autres contextes. Donc, cette définition implique le transfert comme étant une condition inhérente au développement des habiletés de vie. Donc, il doit y avoir transfert, sinon on ne peut pas considérer l'habileté comme telle une habileté de vie. Qu'est-ce qu'une habileté de vie? En fait, ça peut être la fixation d'objectifs, la gestion des émotions, le leadership, etc. Ce sont des habiletés de vie apprises en sport et transférées et utilisées dans un autre contexte non sportif, comme l'école, la famille ou le travail. Alors, en bref, les habiletés de vie sont nécessaires pour gérer les demandes et les défis de la vie de tous les jours. En d'autres mots, en plus de favoriser les habiletés chez les athlètes, si on les aide également à appliquer ces mêmes habiletés de vie dans leur contexte, nous avons une formule qui est gagnante parce que les habiletés sont doublement utiles. Donc, encore une fois, comme mentionné, les habiletés doivent être transférables. Et à cet égard, des chercheurs, donc Pierce, Gould et Camiri, ont en fait précisé en quoi consiste le transfert tout récemment, en 2017. Selon ces auteurs, le transfert, c'est un processus continu vers lequel un individu va développer, apprendre, intérioriser un atout personnel en sport, puis expérimenter un changement personnel grâce à l'application de cet atout dans un ou plusieurs autres domaines de vie que celui dans lequel il a été initialement appris. Donc, ces auteurs ont également en fait créé le modèle que vous voyez à l'écran. Alors, simplement vous mentionner que ce modèle, en fait, c'est notre cadre de référence dans le projet de recherche associé au projet Gagnant pour la vie. En fait, nous avons choisi ce modèle car il est très intéressant. Au cœur du modèle, on retrouve en fait l'apprenant, donc l'athlète qui figure au cœur. Différents contextes d'apprentissage sont considérés. L'apprentissage des habiletés de vie, des contextes de transfert et, en fait, les résultats positifs ou négatifs qui peuvent découler de ce transfert. Ce qui est intéressant aussi avec le modèle qui vient de vous être présenté, en fait, c'est que le transfert des habiletés de vie est considéré, il est situé dans le temps. Donc, pour qu'une habileté de vie soit apprise et transférée, on doit justement donner le temps nécessaire à l'apprenant et également aux intervenants pour l'enseigner. Voici maintenant quelques constats issus de la recherche qui ont en fait permis de mettre en place le programme qui va vous être présenté. Bien entendu, ce sont quelques constats et non des généralités, donc ce sont quelques résultats combinés ensemble pour permettre justement un programme novateur. Donc, si on rassemble plusieurs résultats de la recherche concernant les programmes qui ont été mis en place dans le contexte du sport scolaire,
Ce que l'on constate, c'est que la majorité des programmes sont conçus par des chercheurs sans consultation au préalable des acteurs du milieu concernant les besoins, justement, à mettre en lumière sur lesquels travailler. Alors, donc, puisqu'ils sont conçus par les chercheurs sans tenir compte des besoins, une fois en fait les programmes terminés, souvent, il n'y a pas de pérennité au niveau des programmes. De plus, à notre connaissance, il n'existe aucun programme qui vise une formation, par exemple, en ligne, avec l'accompagnement des intervenants sur le terrain. Donc, souvent, ce qu'on va voir, ce sont soit une formation en ligne, soit un accompagnement, et non une formule de type hybride où on retrouverait les deux. Donc, on doit se diriger vers ces types de programmes qui s'avèrent plus efficaces pour répondre aux besoins des participants. Troisièmement, il y a également peu de programmes qui ont misé sur une approche collaborative entre les différents intervenants scolaires. Donc, tenir compte en fait à la fois des enseignants, tenir compte aussi du personnel de soutien et également des entraîneurs. D'autres constats également. En fait, plusieurs habiletés de vie au sein des programmes sont enseignées sur une courte période, par exemple pendant 90 minutes sur 3 semaines. Donc, ce sont des programmes relativement très courts. Donc, c'est difficile pour les participants de vraiment faire l'acquisition d'habiletés de vie et de les transférer de façon réaliste en si peu de temps. Donc, on doit se tourner vers des programmes plus longs, de nature longitudinale, pour permettre justement aux intervenants d'enseigner et aux participants d'apprendre. Il manque également une diversification des méthodes de collecte de données qui permettrait en fait d'explorer davantage soit les expériences des participants dans ces programmes sous forme d'entretiens qualitatifs, par exemple, combinés avec une approche quantitative pour évaluer l'efficacité des programmes. Donc, on se doit de se tourner davantage vers des méthodes mixtes de recherche. Enfin, il y a peu de programmes qui ont été développés dans l'esprit que les habiletés de vie doivent être enseignées de façon explicite, c'est-à-dire concrètement, avec des exemples précis et des outils pour justement faire l'apprentissage des habiletés de vie, puisque les habiletés de vie ne sont pas un apprentissage automatique, je peux dire, de la participation sportive. Alors, voici maintenant, c'était la petite présentation sur les constats de recherche. Je vous présente maintenant, en fait, quelques mots sur le programme Gagnant pour la vie, en fait, qui a été créé dans le cadre d'une subvention de recherche, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada avec des collègues. Donc, c'est un programme basé sur, en fait, les limites qui ont été soulevées en recherche. C'est un programme qui est novateur et intégrateur et à la fois qui est basé sur un cadre pédagogique issu de la recherche en coaching et en éducation et également sur un modèle de transfert et bien entendu sur la littérature sur les habiletés de vie en sport. De plus, le programme Gagnant pour la vie tient compte des besoins qui sont soulevés par le milieu. Dans le cadre de ce programme en cours, en fait, ce sont les besoins soulevés par une école précise. Et par la suite, nous menons également un autre projet de recherche en parallèle pour évaluer tous les besoins en ce moment en contexte de sport études parascolaires et concentration sport. Nous évaluons les besoins dans plusieurs écoles au Québec pour justement, dans une prochaine phase, adapter, bonifier le programme pour tenir compte également des enjeux actuels dans les contextes de différents programmes. De plus, le programme Gagnant pour la vie amène les acteurs du milieu à collaborer ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on propose plusieurs outils concrets, des ateliers et également un accompagnement. Donc, c'est un programme en ligne, une plateforme Internet conviviale et en même temps, on offre un accompagnement sur le terrain.
Les objectifs reliés au programme, d'une part, nous visions en fait à concevoir un programme d'enseignement des habiletés de vie qui tient compte à la fois des besoins du milieu et des avancées scientifiques, d'implanter ce programme auprès des entraîneurs et des enseignants afin qu'ils puissent enseigner les habiletés de vie aux élèves athlètes et des stratégies concrètes pour les aider à transférer celles-ci dans le contexte scolaire, donc salle de classe et également contexte sportif, éducation physique ou sport. Et enfin, on vise aussi à évaluer l'efficacité du programme pour pouvoir l'utiliser dans d'autres contextes de sport scolaire au Canada. Quelques mots sur la méthodologie, sans entrer dans tous les détails. Donc, quelques mots sur la méthodologie. C'est une recherche-action participative parce qu'on se doit, dans ce type de programme, non pas d'imposer le programme, mais de collaborer en cours de route avec l'équipe école et de constamment s'améliorer, améliorer aussi la façon d'intervenir. Donc, nous sommes en processus de recherche-action participative. Nous avons également mis en place un devis de nature longitudinale, donc de septembre 2018 à juin 2021. Pour le devis longitudinal, nous avons intégré une collecte de données qualitatives et quantitatives. Donc, nous utilisons plusieurs questionnaires validés à plusieurs temps de mesure, ce qui va permettre justement d'évaluer l'efficacité du programme. Et également des données qualitatives où on intervient auprès des élèves athlètes, auprès des intervenants, entraîneurs, enseignants, directeurs d'école, etc., pour connaître leur perception en cours de route. Les résultats de toutes ces études sont en cours d'écriture et vont être publiés à partir de cette année. Maintenant, alors, je vous invite à naviguer un petit peu sur la plateforme. Bien entendu, je ne pourrai pas aller partout avec vous, mais je tenais à vous montrer, en fait, qu'est-ce qui se fait concrètement par rapport à ce programme. Donc, voilà, je vais aller sur la plateforme. Oups! Je crois que je dois arrêter le partage et vous revenir. Ça ne sera pas long. Bon, je vais y arriver. Regardez ce qu'on va faire. J'ai une autre idée. Donc, plutôt que de tout de suite vous présenter le programme, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer aux contributions. Donc, le programme que je vais vous présenter, c'est un programme en ligne. Nous allons naviguer sur le programme par la suite. Mais je tiens à vous mentionner en fait que nous avons des orientations futures pour le programme. Donc, nous travaillons déjà en parallèle à l'adapter et à le bonifier. Nous allons également intégrer les parents dans une prochaine phase et nous allons l'implanter, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans plusieurs écoles secondaires. Donc, nous continuons malgré tout à le bonifier en cours de route et également à évaluer son efficacité. En termes de perspectives appliquées concernant le programme, donc en fait, ce qui est à retenir, c'est que c'est un programme qui est complémentaire au programme existant. Donc, au Canada, nous avons le Programme national de certification des entraîneurs. Nous avons aussi plusieurs formations universitaires en coaching. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai mentionné le RSEQ, donc offre également des formations. Alors, ce programme Gagnant pour la vie est complémentaire. Donc, ce n'est pas un programme, en fait, de formation de nouveaux contenus comme tel. Bien sûr, on s'assure d'être à la fine pointe de la littérature sur les habiletés de vie, mais c'est surtout un programme qui est complémentaire et qui va aussi être précis et adapté au contexte du sport scolaire. C'est pourquoi qu'il est très apprécié, selon les résultats préliminaires de la recherche, par les intervenants. Également, le fait qu'on puisse offrir un accompagnement, c'est-à-dire avec des ateliers, avec aussi des rencontres en personne dans les écoles, c'est également très apprécié parce que ça permet justement d'aider les intervenants à adapter les interventions à leur pratique. Et en fait, notre programme vise le développement positif des jeunes, ce qui se rattache très concrètement à la mission du sport scolaire. Donc, voilà pour les quelques mots sur le programme. Je vous invite maintenant à naviguer avec moi sur la plateforme.
J'ai arrêté le partage. Je vais recommencer le partage dans quelques instants. Et voilà, je me prépare, je suis avec vous. Et voici. Partager l'écran. Je suis de retour. Donc, vous avez en fait une image en fait de la page d'accueil du programme Gagnant pour la vie. Vous avez en fait ici l'accueil, la description du programme, la communauté qui y participe, l'équipe de recherche. Vous voyez également d'autres onglets. Vous voyez les 5 habiletés de vie au programme. Ces habiletés de vie, vu la recherche action participative, proviennent en fait des besoins du milieu. Alors, nous avons la fixation d'objectifs, la concentration, les saines habitudes alimentaires, l'adoption de comportements sécuritaires, la récupération physique et mentale. Donc, sur une période de 3 ans, les habiletés de vie ont été intégrées une après l'autre de façon progressive. Et la plateforme a été conçue de façon conviviale pour permettre aux intervenants d'accéder au contenu rapidement. Donc, dès qu'ils ont un petit 5 minutes, ils peuvent aller écouter une capsule audio, une capsule vidéo. Donc, on a essayé de donner un rythme flexible et non d'offrir une formation traditionnelle. Alors, c'est vraiment en fait des outils que les intervenants peuvent utiliser qui sont mis à leur disposition. Donc, en général, on laissait environ 10 à 12 semaines par habileté de vie, donc pour maîtriser en fait le contenu avant d'en intégrer une nouvelle. Alors, voilà, pour chacune des habiletés de vie, alors nous avons, si j'entre dans la fixation d'objectifs en ce moment, pour chacune des habiletés de vie, nous avons la définition de l'habileté de vie ici. Nous avons l'objectif général, les objectifs spécifiques également. Et le contenu va être très variable d'une habileté de vie à l'autre, mais on a une forme qui revient, en fait une structure, dont une capsule d'introduction pour présenter l'habileté de vie. Et chacune des habiletés de vie au programme, comporte 4 phases. Donc, nous avons la phase planification, qui est un temps, en fait, qui permet de planifier l'enseignement et le transfert des habiletés de vie. Donc, pour toutes les habiletés de vie, nous avons cette même structure. Nous avons une phase d'intervention, en fait, qui est un temps d'action prise auprès des élèves athlètes pour enseigner les habiletés de vie. La phase de suivi, en fait, où l'intervenant planifie rencontrer les élèves athlètes pour faire le suivi au sujet de l'habileté de vie comme telle. Et enfin, la phase d'évaluation, qui est un temps d'analyse de l'ensemble de l'intervention qui a eu lieu. Donc, cette structure, on la retrouve pour chacune des phases. Et dans chacune des phases, on retrouve une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, on peut retrouver en fait des fiches, on peut retrouver en fait des capsules vidéo, on peut retrouver des forums de discussion, on peut retrouver des fiches réflexives. Comme je le mentionnais, c'est basé sur un cadre en fait pédagogique qui valorise non seulement les apprentissages davantage formels, mais également la réflexion critique et aussi les échanges entre intervenants. Par exemple, dans la phase intervention de la fixation d'objectifs, vous voyez, nous avons des présentations narrées. Nous avons, par exemple, un outil de fixation d'objectifs que je vous présente à l'écran. Nous avons également des vidéos où on a, en fait, avec des acteurs, où on voit comment s'effectue la fixation d'objectifs en sport, avec le même athlète que l'on revoit ensuite en salle de classe pour voir comment la fixation d'objectifs s'effectue dans ce contexte. Les intervenants sont amenés à échanger sur un forum. Et bien sûr, tout ça, la différence avec d'autres contenus, c'est que c'est très spécifique au contexte même du sport scolaire. Des fiches réflexives qui sont cumulatives pour l'ensemble du projet.
Voilà, pour vous donner une idée au niveau de la fixation d'objectifs, si je reviens par la suite pour la concentration, même visuel ici avec l'intervention où nous ajoutons parfois ici, nous avons un témoignage d'une athlète olympique qui vient justement mentionner des exemples concrets des routines qu'elle utilise. Nous avons en fait des exemples aussi de routines en contexte de sport scolaire. Donc, nous mettons vraiment des outils adaptés pour les intervenants. Si je continue un petit peu à naviguer, pour vous montrer, par exemple, sur les saines habitudes alimentaires, voilà, vous voyez ici dans la phase d'intervention, vous avez des vidéos. Donc, par exemple, une vidéo pour enseigner aux élèves athlètes comment planifier la boîte à lunch et les collations avec l'outil de l'assiette de l'athlète. Ah, je ne peux y accéder. J'avais prévu un plan B, comme on fait en psychologie du sport. Donc, l'assiette de l'athlète que vous voyez ici. Alors, on a une vidéo qui démontre concrètement comment l'élève athlète peut l'utiliser. Et aussi, un outil de la planification de la boîte à lunch et des collations avec l'outil des 3P que je vais vous présenter également. Donc, nous avons ici l'outil des 3P. Donc, ce sont des outils de la sorte qui sont à la disposition des élèves athlètes justement pour apprendre sur ces habiletés de vie en sport et en salle de classe, comment les utiliser à leur avantage. Donc, voilà pour des exemples au niveau des saines habitudes alimentaires. Nous avons également mis en place un menu adapté pour les élèves athlètes pour qu'ils soient autant pour performer et être bien à l'école et dans leur sport. Donc, un menu a été créé et d'autres outils également. Si je reviens, en fait, pour la prochaine habileté de vie, sur les comportements sécuritaires. L'adoption de comportements sécuritaires, c'est le même principe. Donc, nous l'avons orienté davantage sur l'adoption de comportements sécuritaires pour prévenir les commotions cérébrales, ce qui est très fréquent en contexte de sport scolaire. Donc, nous avons créé plusieurs outils, dont par exemple une affiche 4 questions à se poser, que je vais cliquer ici. En fait, et que je vais retourner pour que vous puissiez voir. Donc, par exemple, pour cette affiche que les intervenants peuvent mettre sur les murs à l'école, il y a des activités, des outils concrets, des vidéos pour amener les intervenants en sport et les enseignants à pouvoir mettre en place l'habileté de vie comme telle. Nous avons aussi une autre habileté de vie qui va ouvrir prochainement. C'est la dernière. Elle ouvre la semaine prochaine sur la récupération physique et mentale. C'est pour ça que vous voyez un petit cadenas ici. Et nous avons aussi d'autres outils pour cette habileté, comme par exemple un outil, une fiche pour aider les intervenants à reconnaître les symptômes du burn-out chez les élèves athlètes. Non pas à établir un diagnostic, mais être capable de détecter en fait certains symptômes. Nous avons également un outil de prise de conscience de la gestion du temps que l'intervenant peut utiliser auprès de l'élève athlète. C'est un outil qui est concret, tout comme celui de la planification hebdomadaire des activités sportives et scolaires qui est destiné à l'élève athlète. Alors, voilà pour les exemples de la plateforme. C'était pour vous donner, en fait, une idée du programme Gagnant pour la vie, présentement en place au Québec, dans une optique aussi d'avancement des connaissances, dans une optique aussi appliquée, c'est-à-dire d'avoir un réel impact auprès des élèves athlètes dans le contexte du sport scolaire et qui peut être utile aussi pour les consultants en performance mentale qui travaillent dans ce contexte. Nous en avons plusieurs dans les écoles qui travaillent justement auprès des adolescents. Ils ont beaucoup de demandes. Donc, le fait de s'intéresser aux habiletés de vie et de permettre justement aux élèves athlètes d'en faire l'apprentissage et le transfert dans d'autres contextes, nous aidons tout simplement les élèves athlètes à être mieux outillés dans leur vie.
Alors, voilà pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Bien. Alors, tout d'abord, merci pour cette présentation, parce que ça fait des années qu'on entend parler des habiletés de vie. Et c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir une présentation aussi simple. Ça montre que la piscine de la psychologie du sport a un côté où on a pied. Merci beaucoup. Donc, il y a eu quelques questions de poser. La première, je pense, parlait du transfert. Oui, je vois. De quelle façon mesurez-vous la réalité du transfert de ces compétences du domaine sportif à d'autres domaines? Donc, en fait, je pourrais répondre de différentes façons. En fait, c'est une très bonne question. Dans le cadre du projet de recherche comme tel, le transfert, c'est une très bonne question parce que les outils que nous avons pour évaluer les habiletés de vie actuellement, entre autres, je pense, et on l'utilise dans le projet, le Life Skills Scale for Sport, le LSSS, et le YES, le Youth Experience Survey, sont des questionnaires qui sont validés autant au niveau anglophone que francophone. Nous avons au sein de l'équipe de recherche avec mon étudiante, nous avons justement validé ces questionnaires, mais il n'y a pas la composante de transfert. Donc, nous les utilisons pour évaluer l'enseignement des habiletés de vie, donc l'acquisition comme telle des habiletés de vie, mais pour ce qui est du transfert, nous l'avons évalué d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire avec des entretiens qui ont été faits auprès des élèves athlètes en leur demandant des exemples concrets dans la pratique de leur sport et également des exemples concrets dans d'autres contextes. Donc, c'était au sein de leur expérience. Est-ce que ça répond à la question? Je peux préciser ou poursuivre avec la personne qui l'a posée. Je peux poursuivre aussi. Non, non, il y a une deuxième question d'Alain Lemoine. Oui. C'était pour savoir le cadre. Il s'agit bien des sections sport-études, c'est-à-dire des élèves qui vont à la fois, parce qu'on a des définitions différentes en France, c'est bien des élèves qui font du sport en plus de l'école, hein. Oui, ce sont en fait, je ne serai pas la spécialiste pour expliquer ce qui se fait en France, j'aurais besoin d'aide de ce côté, mais au Québec, on parle en fait, surtout dans les contextes par études, ce sont des athlètes de haut niveau quand même, à l'adolescence, 11 à 17 ans. Donc, est-ce que c'est le lycée? Je crois que c'est le lycée en France, 11 à 17 ans, élèves athlètes qui font plusieurs heures de sport dans le contexte même de leur école et qui sont reconnus par leur fédération sportive. Donc, s'ils ne sont pas reconnus par leur fédération sportive pour leur potentiel, ils ne pourront pas faire partie d'un sport-études. Toutefois, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une concentration sport, nous avons également plusieurs élèves athlètes qui en font partie. Et là, on n'est pas obligé d'être régi par le ministère de l'Éducation du Québec pour offrir une concentration sport dans son établissement scolaire. Alors, on est dans l'école, les cours d'éducation physique et sportive en France. Nous, lorsqu'on parle de sport-études, je ne sais pas si c'est la même chose en France, c'est en plus des cours d'éducation physique. Donc, il y a les cours d'éducation physique et il y a plusieurs heures aussi à la pratique du sport de compétition pendant l'école, les heures d'école. D'accord, ben ça répond à ma question. En France, bon, en moyenne, les élèves ont 3 heures d'éducation physique et sportive à leur emploi du temps. Voilà, c'est obligatoire. Et ensuite, 3 heures ou 2 heures, hein, parce que ça diminue quand ils grandissent. Et certains, oui, sont en effet dans des sections sportives, comme au Québec, visiblement, c'est-à-dire reconnues par les fédérations sportives elles-mêmes. Donc voilà, c'était juste pour resituer le programme et en gros à quel public ça s'adressait. Merci. Merci. Ensuite.
Alors, il y a une question sur les 4 C. Est-ce que c'est possible d'expliquer ce que veut dire la connexion? Oui, en fait, c'est une traduction de l'anglais. En fait, c'est connexion avec les autres. Je cherche le thème anglais en ce moment. Donc, vraiment les relations que nous entretenons avec notre entourage. Connection, plus en anglais. Et ça a été traduit pour maintenir le C dans les 4 C. Merci. Une question de Julie Doron. Est-ce que tu peux revenir sur l'évaluation de l'efficacité du programme? Oui, en fait, nous sommes au cœur de l'évaluation de l'efficacité du programme. En fait, nous travaillons avec un expert au niveau des analyses aussi quantitatives à ce niveau-là. Et nous avons utilisé des questionnaires pour chacune des habiletés de vie au programme. Nous avons tenté d'utiliser les meilleurs questionnaires qui existaient en lien avec chacune des habiletés de vie. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous ne pouvions pas, avec ces questionnaires-là, évaluer le transfert parce que le transfert n'était pas intégré dans les questionnaires. Toutefois, tous les questionnaires utilisés ont été validés en français avec une méthode rigoureuse à ce niveau-là, que vous connaissez sûrement, la méthode de Valran. Donc, chacun des questionnaires utilisés sont valides et nous avons différents temps de mesure. Je n'ai pas présenté l'échelle du temps, mais j'aurais pu le faire. Donc, avant l'introduction de chacune des habiletés de vie au programme, nous avons en fait administré les questionnaires aux élèves athlètes et ensuite, nous administrons aussi après l'application, l'intervention de l'habileté de vie comme telle, nous faisons une autre évaluation. Donc, on avait planifié 6 évaluations par année. Donc, une au début de l'année scolaire, une au milieu et une à la fin. Par la suite, on s'est adapté un petit peu où on en a fait environ 2 par année parce que c'était beaucoup aussi demandé aux élèves athlètes parce que c'est plusieurs questionnaires. Et le fait d'avoir plusieurs temps de mesure, nous sommes encore dans les analyses, nous permet justement de voir cette évolution-là à travers le temps. Je pourrais vous en dire plus et peut-être revenir vous présenter les résultats lorsqu'ils seront connus. Merci, Christiane. Pour préciser un peu plus, pour vraiment comprendre la méthodologie, est-ce qu'il y a par exemple des évaluations à plus long terme pour voir les effets du programme au cours du développement de ces jeunes athlètes? Et est-ce qu'il y a par exemple un groupe contrôle ou un groupe témoin qui a été prévu, voilà, juste pour aller un peu plus loin sur la Oui, méthode? merci. En fait, je peux aller dans toutes les composantes du projet parce que j'ai essayé de faire une présentation relativement simple. Mais effectivement, nous avons une école témoin, une école qui n'a pas reçu le programme, mais qui a eu les mêmes types d'évaluation. Donc, les élèves athlètes d'une école comparable à tous les niveaux. Pour cette école-là, les intervenants n'ont pas reçu le programme, mais les élèves athlètes, au même temps de mesure établi dans la ligne du temps sur 3 ans, donc de septembre 2018 aller jusqu'à juin 2021, qui s'en vient à grands pas, nous avons différents temps de mesure, à la fois pour notre école intervention et notre école témoin. Donc, on va pouvoir comparer les deux groupes et pouvoir voir aussi des différences au sein de l'école intervention en cours de route pour voir la progression puisqu'on a plusieurs temps de mesure. Et en parallèle, la richesse de tout ça, c'est aussi d'avoir des entretiens de recherche pour pouvoir connaître l'expérience, parce qu'on ne va pas chercher ces informations-là avec les questionnaires, bien évidemment, mais le fait de pouvoir relater les expériences, on a eu des entretiens à chacune des années, et on va continuer d'en faire aussi vers la fin du programme, ça nous a permis de nous adapter et également de connaître les forces du programme et aussi les améliorations à faire en cours de route. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, donc oui, un groupe contrôle, tout à fait, nous en avons un. Je lis la prochaine question. En tant qu'ancien prof d'EPS, ça a avancé, j'ai pu mesurer la difficulté de transférer des compétences sécuritaires de type sportive, exemple en escalade avec le port du casque, avec d'autres domaines comme mettre son casque en pratique libre du vélo. Oui, tout à fait. Donc, c'est une observation.
Oui, effectivement, les habiletés de vie, en fait, qui ont été ciblées par cette école sont également des habiletés de vie qui s'avèrent, dans d'autres projets que j'ai en cours en parallèle, qui s'avèrent très pertinentes pour la majorité du contexte scolaire. Ensuite, d'autres questions? Donc, l'étude est prévue longitudinalement, mais jusqu'à quand? Donc, l'étude est prévue, en fait, jusqu'à la fin de cette année scolaire. Nous allons avoir terminé les 3 années du programme. Par contre, ça continue. Donc, ça, c'est le programme comme tel à travers un projet de recherche sur 3 ans. Le programme va quand même continuer par la suite et qu'il va aussi avoir une pérennité. Donc, une application de ce programme dans d'autres contextes scolaires. Je n'ai pas prévu de date de fin pour ce projet, mais pour la recherche comme telle, c'est cette année. Donc, bonsoir. Est-ce que le programme Gagnant pour la vie repose uniquement sur des outils disponibles en ligne à exploiter ou propose-t-il également des situations, scénarios sportifs à mettre en place afin de développer les habiletés? Si j'ai bien compris la question, en fait, le programme propose à la fois la plateforme en ligne, mais nous offrons aussi un accompagnement. Donc, nous allons vraiment à l'école, sur place, donner des ateliers pour chacune des habiletés de vie. Donc, nous en avons donné plusieurs. Avec la pandémie actuelle, nous avons aussi donné, pour chacune des habiletés de vie, nous avons donné des webinaires, des ateliers en ligne. Nous proposons également un accompagnement individualisé pour ceux qui le désirent. Donc, nous avons des sous-projets de recherche à l'intérieur. Nous en avons 2 en ce moment qui sont en cours d'application pour offrir un accompagnement plus individualisé à certains intervenants qui le désirent. Donc, rien n'est imposé, c'est vraiment sur une base volontaire. Donc, c'est une approche collaborative qui ne repose pas uniquement sur le programme en ligne, mais également sur une intervention sur le terrain. Le but, c'est vraiment de les aider à mettre en place l'enseignement et le transfert des habiletés de vie. Et ce que je peux ajouter, en fait, c'est que c'est, en effet, c'est complexe, l'enseignement et le transfert des habiletés de vie. Ça ne se fait pas rapidement. Ça exige aussi du temps chez l'apprenant pour assimiler aussi cette façon de faire-là, pour l'intégrer dans sa pratique. Et on doit aussi laisser le temps aux élèves athlètes d'en faire l'apprentissage et de les motiver également à ce niveau. J'ai peut-être passé certaines questions. Comment on peut promouvoir les valeurs de bénévolat? La même chose pour le sport féminin à travers les activités liées au sport scolaire. Donc, je ne sais pas si je comprends bien la question. Valeur de bénévolat, c'est certain que je pourrais la répondre sous 2 angles. Valeur de bénévolat dans le sens que ça ne fait pas partie du programme actuel, donc il faudrait que j'y réfléchisse davantage à cette question. Mais effectivement, les valeurs font partie de la définition des habiletés de vie. Ça pourrait être intéressant de le considérer, mais ce n'est pas quelque chose qui figure comme tel dans le programme actuel. Le programme est-il ouvert aux francophones d'autres pays? Pourquoi pas? Donc, on pourrait justement créer, ça serait très intéressant. On commence au Québec et pourquoi pas, en fait, intégrer le programme dans d'autres pays comme la France. Ça serait très intéressant, un autre pays francophone, en l'adaptant au contexte. Peut-être faudrait-il différencier habileté, compétence, valeur, tout à fait. C'est en fait même difficile parfois de s'y retrouver au sein de la littérature scientifique. C'est pourquoi j'ai tenté du mieux que je peux de pouvoir démêler tout ça. En termes simples, vulgariser, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on parle de la recherche sur le développement positif des jeunes, on retrouve beaucoup le terme compétence qui figure.
Et à l'intérieur même de ce domaine de recherche, le développement des habiletés de vie, en fait, fait référence davantage à des habiletés comme telles. Certains chercheurs ont aussi intégré les valeurs qui peuvent en faire partie. Donc, habiletés, des habiletés qui peuvent être à la fois des habiletés cognitives, émotionnelles, comportementales et interpersonnelles. Donc, c'est très varié comme habileté, qui sont utiles en sport et également dans un autre contexte. Donc, voilà pour une petite clarification relativement simple. Auriez-vous des ouvrages, documentation à conseiller sur le thème enseignement des habiletés de vie? En fait, on a écrit un chapitre avec mon collègue Pierre Trudel de l'Université d'Ottawa, justement sur les habiletés de vie et également, en fait, toute la réflexion en arrière qui repose sur des cadres pédagogiques basés sur la réflexion. C'est un chapitre qui peut être intéressant pour bien comprendre les habiletés de vie. Sinon, en fait, il existe plusieurs revues de littérature et entre autres, je ne sais pas si elle est encore présente, avec Élise Marcelier, qui était mon ancienne étudiante au doctorat. Nous sommes en train de publier une revue, une recension systématique sur les écrits. Donc, nous pourrons vous partager également les résultats à ce niveau. Eh bien, merci pour toutes les réponses et pour cette présentation qui était claire et vraiment qui nous permet de rendre les choses assez simples et de voir ce qu'il est envisageable de faire en ligne dans cette situation, dans cette pandémie vraiment qui nous préoccupe tous. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On reste en contact pour savoir quand ça sera disponible en France et puis dans d'autres pays francophones. Pour arriver à réunir les francophones qui travaillent en psychologie du sport. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous expliquer. Au revoir à tous. Et puis, on se retrouve le 11 février pour le webinaire de Vincent Goudparge. Bonne soirée et puis bonne fin de journée au Québec. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci, Christiane. Au revoir. Merci à tous. Au revoir et merci beaucoup de cet entretien. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.